Donc là, on est à peu près 10 minutes après que je vous ai fait la vidéo de pré enfin, la vidéo pour d'explication de l'utilisation du microscope. Donc là, j'ai pu trouver un spiroquète. Donc à des fois, on en voit des différents, mais là, on va dire qu'il est dans la forme classique, quoi. Donc c'est le assez épais et qui bouge, qu'on peut voir frétiller, quoi, concrètement. Voilà. Là, on est dans une zone où le sang est dégradé. Donc, il y a pas mal de petits organismes. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. En général, c'est quand on en retrouve beaucoup, on n'est pas en très bonne santé. Donc voilà. Voir par exemple un organisme juste à gauche du spiroquète qui est intéressant, bien que enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est ça fait comme une espèce d'amas qui est en mouvement. Donc je sais pas si on voit très bien à la caméra et qui ressemble à l'autre amas qui peut se déplacer vers le haut qu'on voit à sa droite. Je vais essayer d'en trouver un autre. Donc là, on est dans une zone très dégradée du sang. On peut voir pas mal d'organismes de ce type. Je vais me mettre à un autre endroit où le sang est plus propre. Par exemple.
Là, par exemple, il y a trop de globules rouges pour trouver un spirochète, ça sera impossible ici. Il y a des petits organismes. Donc on voit la différence. Enfin, ça pourrait être des spirochètes, mais difficile de l'affirmer ici. On voit qu'ils sont plus fins en tout cas. Et il semble y avoir un point de jonction entre les deux au milieu. Enfin, vers le. En tout cas, entre les. Qui est deux parties séparées. Petit peu. Une espèce d'anneau qui est retenu à un autre anneau par un organisme, alors je sais pas non plus ce que c'est. On peut voir ce genre de choses dans les sangs qui sont dégradés, et en général le sang est plus dégradé quand on a des réactions de Alzheimer, donc quand on prend des antibiotiques ou un traitement efficace, ce qui à mon avis pourrait être lié à la perméabilité intestinale. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui vont se retrouver dans le sang qui n'ont pas forcément leur place ici. Donc là, en dessous de cet organisme, on peut voir un autre organisme qui a l'air très mobile. Les spirochètes, ils peuvent avoir une forme droite et raide. Et à des fois, au bout d'un moment, ils prennent cet aspect, c'est-à-dire qu'ils se mettent à s'entortiller sur eux-mêmes. Donc je filme rarement ces formes car elles sont moins reconnaissables, on va dire. Mais c'est possible que ça en soit un. Donc la Borrelia qui est reconnue pour avoir beaucoup de formes différentes en fait.
Donc est-ce que c'est pour se transformer en kyste ou autre, je ne sais pas du tout. Et donc on peut voir beaucoup plus de formes classiques si on prend pas de traitement. Et en général, les gens qui sont pas traités, on peut, enfin c'est beaucoup plus reconnaissable quoi. Après, on peut aussi voir des formes qui ressemblent à la forme classique mais qui sont plus fines et qui pour moi sont des formes, comment dire, qui sortent de kystes. Et par exemple, si on prend un antibiotique comme du flagyl. Ces formes disparaissent du sang, donc ce qui accréditerait cette hypothèse. Il y en a peut-être un là. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester prudent sur ce qu'on voit, parce que le sang c'est pas stérile non plus. Il y aura beaucoup d'organismes. Alors sur quelqu'un en bonne santé, normalement on voit pas tout ça. Hein. Tous ces organismes-là qui se développent, enfin, qui sont là quasiment instantanément. Là, on peut en voir un autre.